Bonjour à tous, et bien on se retrouve pour une petite voix off d'introduction. Et là, il s'agit de la troisième et dernière vidéo que j'ai réalisée cette année sur mon lieu de villégiature favori, ce magnifique petit étang de Loire-Atlantique. Donc cette vidéo en fait s'articule en deux parties. Ici, là, je suis au bord de l'eau, il est environ 8h du matin. Et en fait, je testais la discrétion d'un bas de ligne composé d'un fluoro-coated, donc d'un nylon prolongé par 30 cm de titane, accroché au nylon par un émerillon baril, et prolongé ensuite par une petite agrafe. Donc là, ce que vous verrez pendant la vidéo, c'est que j'ai pris juste avant ça, à une quinzaine de mètres, j'ai eu deux perches, et les deux perches se sont décrochées. Donc vous écouterez après la conclusion. Pour le coup, cette conclusion, vous l'entendrez, je l'avais faite directement sur place, dans laquelle je m'interroge sur non pas la discrétion du titane, puisqu'elle n'est plus à démontrer. Le titane en 20 centièmes tout au moins est extrêmement discret. Je n'ai pas de refus d'attaque de la part des perches. En revanche, je peine à maintenir le poisson en tension. Du coup, il se décroche assez régulièrement. Alors, il faut que j'étudie encore les raisons de ces différents décrochés. Est-ce que je ferme mal? Est-ce que je ne maintiens pas le poisson suffisamment en tension? Est-ce qu'il faudrait que je le drop, comme on dit, c'est-à-dire que vraiment je le sorte d'autorité directement pour l'amener dans ma main? Plutôt que d'essayer de faire une approche un peu plus lente et hop, de le lever après pour que ce soit moins violent. Il faut savoir aussi que lorsque vous prenez des petites perches comme ça, la bouche est très fragile. Si vous ferrez trop fort, vous leur arrachez la gueule, quoi. Donc c'est pas non plus l'intérêt, bien évidemment. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, je l'ai faite l'après-midi à 14h. À partir de 14h, il faisait une chaleur énorme. Et là, pour le coup, je me suis concentré uniquement sur les perches, juste en bas de ligne, 20 centièmes fluorocarbone et des petits leurres pour traquer les petites zébrées qui pouvaient être actives malgré les températures très élevées. Et puis ça se terminera par une petite conclusion. J'espère que vous aurez apprécié ce petit périple. Donc en Loire-Atlantique, en tout cas, moi, j'avais qu'une semaine de vacances, mais j'en ai vraiment, vraiment beaucoup profité. Une petite tape encore. Je me demandais ce que c'était ce miroir. Je suis pas le seul maladroit. Hein. Je sais pas si vous voyez le reflet du le miroir de la cuillère, qui a l'air jolie en plus. Ça me rassure, je suis pas le seul à être un vrai boulet sur mes lancers. C'est beau! C'est beau ça! C'est pas une perche, hein! C'est pas une perche! Et non, c'est un brochet, évidemment! Allez, mon gros! Là, tu peux toujours y aller! Tu me couperas pas le fil! Allez! De rester tranquille. Oui. Eh ben, mes amis, toi t'es un peu l'invité surprise. Hein. Regardez-moi cette magnifique bestiole. Allez. Poisson.
poisson, il est ferré correctement, il est bien accroché, bien engamé. Alors que j'ai eu plusieurs ratés successifs en utilisant un baline en titane. Alors est-ce qu'il y a une rigidité trop importante ou est-ce que c'est juste l'agrafe qui pose un problème je sais pas, peut-être qu'elle se met un peu comme ça et du coup, quand le poisson prend, il arrive à se dégager. En tout cas, bon, on va voir, c'est pas avec un seul coup qu'on peut faire une statistique, hein, mais bon, on va continuer à voir ce que ça donne. Oh, touche encore. Oui, poisson. Surprise. Allez, file. Oui, encore. Un petit banc, quoi. Bonjour, mademoiselle. Elles sont toutes la même taille, hein. C'est calibré, quoi. Allez, ouf. Putain, c'est hyper piquant quoi. C'est des poignards ces trucs quoi. Un peu galère là quand même. Ah mais d'accord. On trouve de tout ici. Regarde un peu ça. Oui, pas mal. Faut juste remettre des hameçons quoi. Un big bait. C'est encore moins cher qu'AliExpress. Bon, j'ai bien mérité un ou deux poissons là. Après l'effort. Oui, poisson. Oh, c'est plus gros. Ouf, un peu plus gros. Hop. Bien vu. Petit genou, juste ce qu'il faut pour pas qu'elle touche la berge. Coup de bol aussi, un petit peu. Ouf. Oui. Oh non. Un brochet.
Et quel brochet, Mazette! Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Non, il faut que tu ailles. Non. Si tu vas dans le... Ça va pas le faire. Mais oui, j'ose pas te faire mal, mon petit chat. Allez. Ça, c'est le brochet du jour. Hein. Bon, eh bien, si on arrêtait avec ça. Donc, je vais faire un petit bilan. Depuis que je suis venu, je pars malheureusement. J'avais qu'une semaine de vacances. Donc, j'ai essayé de mettre du Badeline Titane en 20 centièmes. J'ai fait des tests pour voir si le titane, en fait, effrayait les petits poissons. Alors, c'est pas le cas. C'est ça qui est assez génial, c'est que c'est pas le cas du tout. Donc, le problème est pas là. En revanche, ça occasionne des ratés. Alors, je ne sais pas si c'est le combo titane plus agrafe sur un tout petit leurre qui fait que ben, le poisson, en fait, il a de quoi s'arc-bouter peut-être pour se dégager ou pour désengamer rapidement. Ou est-ce que du fait qu'il sent une résistance, il engame vraiment du bout des lèvres et donc il se détache tout seul? Est-ce qu'il faut ferrer différemment du fait qu'on ait un badeline qui est quand même, bien qu'il soit quand même très souple, c'est pas non plus un fluorocarbone, enfin un nylon. Je sais pas trop. Toujours est-il que statistiquement, j'ai plus de décrochés, c'est-à-dire que ça ferre bien, mais j'ai plus de décrochés avec cette configuration titane plus agrafe. Le problème, c'est que on peut guère faire différemment. Un titane, on ne peut pas le mettre directement sur le leurre. Enfin, on pourrait, en faisant un nœud 8, on pourrait le faire, mais ça reviendrait quand même assez cher, parce qu'à chaque fois qu'on voudrait changer de leurre, il faudrait recouper un bout du titane, quoi. Donc, c'est pas non plus. C'est pas quand même donné, donc en fait moi j'ai fait des badelines avec une agrafe sur laquelle je peux mettre les leurres qui m'intéressent au fur et à mesure. Conclusion, journée sympa, en leurre souple, montage direct ou avec une agrafe, j'ai très très peu de décrochés. En revanche, voilà, donc titane, c'est moins ça quoi. Donc voilà, à vous de me dire dans les commentaires si vous avez expérimenté ce genre de choses ou si jamais vous l'avez expérimenté, est-ce que vous avez trouvé un moyen de pallier ce souci de manière à justement ne pas avoir trop de ratés. Mais il faut reconnaître que j'ai vraiment apprécié le fait de pouvoir avoir cette discrétion du fluoro en utilisant du titane parce que ça fait un badeline ultra polyvalent. Il résiste aux dents des brochets. Vous pouvez mettre des leurres de grande taille, mais aussi des petits leurres comme celui-ci, sans que ça n'effraie le prédateur. Il reste juste donc à régler ce problème de décrocher, mais ça c'est peut-être moi qui manque un petit peu d'expérience ou qui ne fère pas de la bonne manière. Voilà. En tout cas, vous remarquerez l'endroit est absolument splendide. Cet étang, j'y viens depuis des années et je le trouve toujours aussi beau d'année en année. J'ai pas fait de cendre cette année, voilà. J'ai fait de la perche, du brochet. Et puis voilà, j'ai hâte de revenir déjà l'an prochain. J'espère que j'aurai un petit peu plus de congés que cette année, on verra bien. En tout cas, merci beaucoup pour votre fidélité. Et ben, à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!